Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diablo 3, et comme chaque mercredi, c'est l'heure de la faille probatoire. Donc, on va tout de suite regarder de quelle faille probatoire il s'agit. Aujourd'hui, nous avons donc un croisé. Un croisé avec un build, donc l'héritage des cauchemars. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Donc, full objet légendaire normalement ancien, ou du moins pas de bonus de 7, avec marteau béni. Donc on se retrouve avec un Buildlon marteau béni, ok. Dégâts figés marteau béni, ok. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait précédemment, sauf que là on a un build, une autre version en fait, du marteau béni. On va regarder ça tout de suite. Alors personne n'a encore fait dans mes amis, donc je ne sais pas quelle faille, quel niveau de faille nous avons. Alors. Ok, ça fait énormément de dégâts. Ah oui, quand même. Comme vous pouvez le voir, ça fait quand même vachement de dégâts. Ok, bon bah on va voir l'état de la faille. C'est parti. Alors. Donc on n'a pas d'adada. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de l'avoir de ce côté-là. Oh, ça va me saouler ça, cette régénération de. Bah allez. Oh, elle va être casse-bion cette faille. Oh là 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 là. On va essayer la manière. En fait, on a besoin de pack de monstres pour pouvoir faire quelque chose, quoi. On est par là. Ok, vitesse. Un élite, c'est parti. Un autre. Oh, ça va être bien aussi chiant. Allez, viens là, toi. Voilà. Ah, c'est un truc là. Bon allez, hop, suivant. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, j'ai pas tant que je finis pas la faille. Je reste méfiant. J'aime pas ce. On va partir par là-haut. Bon allez, crève, voilà. En fait, j'utilise que deux sorts là, pour le moment.
fait. Allez, hop, on. Ok, d'accord. Ce build est complètement chelou. J'utilise que deux sorts. Ah, voilà, j'ai canalisation. Donc, du coup, je vais pouvoir m'amuser un coup. On va profiter. Ah, non, c'est ça que je voulais. Ouah, t'es sérieux comment t'es aussi loin toi? Oh là là, c'est long, c'est long, c'est long. Voilà. Bon, bah j'ai utilisé deux sorts pour faire cette faille en 4 minutes 10, 4 minutes 11, au lieu de 5 minutes 36. En fait, super facile. La prise en compte du build qui est un petit peu longue, mais en fait, après, c'est facile. Donc, deux sorts intéressants dedans. Persiflage pour régénérer la colère et marteau béni qui inflige suffisamment de dégâts pour tuer à peu près n'importe quoi super rapidement. Donc, quelques marteaux comme ça, histoire de nettoyer le pack de monstres 2, 3, 4, 5. Vous avancez, vous reclaquez quelques marteaux, vous avancez, vous claquez quelques marteaux, et jamais, et si jamais vous avez besoin d'un peu plus de colère sur un élite ou quoi que ce soit, un petit persiflage par-ci par-là avec suffisamment de monstres pour régénérer la colère, et vous pourrez relancer des petits marteaux pour nettoyer un petit peu tout ça. Sinon, le reste, clairement, c'est inutile, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà pour cette petite faille probatoire qui est assez simple, dirons-nous. En tout cas, j'ai eu un peu de mal à commencer et au final, j'ai terminé avec une minute d'avance, un truc comme ça, au premier essai. Donc rien de bien compliqué. Voilà, c'est juste la prise en main, marteau. Persiflage, vous avancez, marteau, persiflage, vous avancez, marteau, persiflage. Sachant que, chose importante, le cooldown de persiflage est lié au nombre de marteaux qui touchent les ennemis avec l'anneau de Zodiac. Du coup, si vous pouvez claquer, même si vous avez très peu de colère et qu'il reste un ou deux ou trois monstres avec pas beaucoup de vie, claquer le reste de colère que vous avez, ça permettra d'accélérer la réduction du temps de recharge en fait de persiflage. Donc voilà, ça peut vous permettre de remonter en fait encore plus de colère avec le persiflage sur un pack d'ennemis futurs. Voilà pour cette petite vidéo donc de la faille probatoire. Donc cette semaine on est sur le build croisé héritage des cauchemars. Donc full objet ancien. Ah, il y a même un. Il y a même pas un prime, il y a même un primordial, mais sinon c'est légendaire ancien. Donc voilà. Donc bah, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Diablo 3, que ce soit les failles probatoires, des builds sur le patch 2.1, ce genre de choses-là. Je ferai des vidéos donc. Le patch 2.1, 2.6.1, pardon, donc est actuellement sur le PTR. Toujours pas de date annoncée pour la sortie donc du patch. Donc toujours en train de tester, modifier le contenu du PTR. Donc j'essaye de faire des vidéos de temps en temps, histoire de présenter quelques builds qui sont fonctionnels sur le patch 2.6.1. Après, rien n'est sûr sur le serveur live. On verra quand le patch sortira avec quelle version de bonus les items sortiront, ça dépendra surtout de ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu tout ça. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!